Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon petit Yannou, ça va? C'est bienvenu. Mon petit Lulu, forcément. Évidemment. Bon, le Davidou, vous connaissez. Le David du Seigneur. Le Dave du Seigneur. Qu'est-ce le David, que vous... le Joe. Le Joe, le petit David là. Le petit David, il est venu avec sa 50 cm cube là, que vous connaissez. Ah là là, regardez-moi le char d'assaut. Qu'est-ce que t'en penses, Lulu, là, rapidement, tout de suite après. Moi, à la base, c'est pas le genre de moto que je kiffe. De toute façon, j'aime pas les motos de route, parce que je trouve que c'est trop dangereux. Mais du coup, j'adore quand même. Hein. J'ai d'ailleurs une belle moto de route. T'as une très... Oui. En fait, je me projette pas du tout qu'une moto comme ça, parce que je veux pas rouler sur la route avec une moto, parce que je trouve que c'est trop dangereux. Donc j'ai toujours pensé ça. Par contre, la moto en elle-même, elle est folle. Et là avec la déco, le carbone forgé, ça rend trop bien. Pourtant, en covering, des fois, t'as pas de définition de mal. Là, la personne qui a fait le covering, elle bosse vraiment bien, parce que là, le taf est fou. Ils m'ont dit que le cadre était en covering. Oui, sans démontage, ma couille. Alors qu'il est orange, quoi. Je veux dire, c'est même pas une couleur noire, ils ont fait un noir mat. Tu sais, c'est pas le truc qui aurait pu bien se faire. Là, c'est. Le travail, je le trouve incroyable. Les petits détails avec les jantes bleues, l'autocollant bleu d'échappement, le carbone à frago, je trouve que la moto, elle est folle. Franchement, j'adore. Elle a les petits Brembo M59 ans. Elle est Lulu approuvée. Ah ouais, non, elle est vraiment belle. Le taf sur la ligne d'échappement et tout, c'est incroyable. Je trouve que c'est un très beau bolide. Après, je suis pas client en moto, quoi, en route. Je suis très. J'aurais trop peur de me tuer. Mais par rapport à ça, on t'a amené un 418D. Voilà. Un 420D. Pardon, je ne pas 418D, 420D. Là, pareil, j'ai trouvé fou. J'ai trouvé ça fou la couleur. J'ai jamais vu une couleur comme ça. Donc, c'est un espèce de vert jaune fluo, ouais, pas fluo, ça, mat, ça. Satin. On sait pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, je peux dire que sur la 4 voies, tu la vois. Hein. Dans le rétro, loin, tu vois le. Ah ouais, couleur, ça fait énervé. C'est bizarre, hein, t'as envie de toucher et tout, mais c'est. Elle est belle. J'ai remarqué les freins. Franchement, très très bon système. Très bon système de freinage. Mais le combo. Est-ce qu'on peut dire que les freins. Est-ce qu'on peut dire que les freins vont capoter? Non. Mais faut pas se péter le frein non plus. Ah, exact, pas mal. D'ailleurs, ça te rappelle que si tu pètes le frein, c'est relou. Même en voiture. Oui, tu vas au fond. Sans le vouloir. Ah bah tu vas quand voilà les mecs. Bonjour. Putain, le capot il s'est dit il faut qu'il ferme. Donc Lulu, moi je t'ai amené les deux poteaux ici. Pourquoi? En gros, rapidos. Le 1290, tu as une ligne Acra, ligne Acra avec la carte Acra, boîtier Acra, titane, tout ça. Okay. Jamais passé au banc, donc on veut savoir combien ça tape. Ça a annoncé pour combien? Bah, 180 d'origine. Ouais. Et moi, il m'a dit 15 chevaux en plus, mais 180. Donc 180 chevaux d'origine, elle est censée, avec les modifs apportés, avoir 195 chevaux. On espère. Elle devrait pas être très loin des 200. C'est ça. Bah, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Et la M4. Et alors la M4, justement, donc Yannou explique vite fait, la M4, qu'est-ce que c'est, rapidos et... D'après ce que j'ai compris, moi, elle a une carto, mais il n'y a pas eu de passage au banc, donc tu sais pas combien elle sort. Non, on sait pas combien elle sort. Bon, on va voir ça. Il y a une carto parking. Une carte parking, oui, mais des fois les cartes parking elles sont très bien faites. Hein. On n'est pas là pour dénigrer. C'est champ, une inter, on n'est pas là pour dénigrer. Hein. Après, il y a des cartes parking qui sont très bien. Après, l'avantage d'une enseigne comme Shiftech, c'est qu'il y a des prises d'informations en fait sur la voiture qui fait qu'on a vraiment toutes les valeurs pour savoir comment adapter la carte à la voiture. C'est ça la différence. Mais on va la passer au banc et si on voit que les logs sont bons et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de changer la cartographie. Mais d'origine, ma couille, ça donne quoi de base? Une M4 d'origine? Une M4 d'origine, c'est annoncé 431 chevaux et en général, ça sort 450, 460. Ça sort toujours 20, 30, 40 chevaux de plus que annoncé. Et là, toi, t'espères combien là-dessus? On va dire 500. Ouais, une carte très, très classique stage 1, on a vite 500 chevaux. Je pense. 500 et en couple? Je sais pas, 650, ouais, 600. Peut-être pas, ouais, dans ces eaux-là, je pense. Ouais. On est là pour vérifier ça. Voilà, moi, les deux que j'ai eu en M4, M3, on avait sorti 530 chevaux et 540. Ah oui, carto Shiftech. Carto Shiftech. On va dire que souvent, les gens qui font des cartos où il n'y a pas de passage au banc, peut-être qu'ils sont un petit peu plus doux sur les valeurs parce qu'il y a toujours une marge de sécurité en plus du fait qu'il n'y ait pas de prise de log avant. Ouais, ça. L'avantage, c'est que Shiftech, là, il y a des logs, il y a tout un tas de mesures qui est faite qui permet d'avoir toutes les données et pouvoir adapter au mieux la cartographie. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des cartos comme ça qui sont très très bien. C'est ça. Moi, j'ai roulé, j'ai fait pratiquement 100 000 km avec une carto parking, frère. À l'éthanol sur mon Cayenne, bon, il démarrait très mal à froid, mais il roulait.
Toutes les cartons. Moi, je me rappelle surtout Babas avec les TDS. Là, ah, les TDS, c'est encore direct... un autre monde. Ah ouais, ça, c'est encore un autre monde. Ça, on fait pas chez Shiftec. Il faut démonter le calculateur, mettre un éperon. Ça, c'est Babas. Là. C'est Babas qui fait. C'est la carte au Babas. Ça, c'est la carte au Babas. Bon, après, il y a zéro garantie sur la tenue du moteur. Babas, il garantit 5000 km. 5 minutes. 5 minutes quand c'est Babas au volant. Voilà, c'est ça. Ah, oui, c'est sinon, on peut aller jusqu'à 5000 km. Bon bah on essaye ça. On fait quoi les lions? On passe la moto, on passe la moto et puis après la N4. Eh bah allez vas-y, allez, let's go. T'installes ton 12. Bon l'avantage c'est que sur le 1290 de Dave, il y a toujours des petites couilles, c'est-à-dire qu'au niveau l'éclairage de plaque. Bon tu l'as fait chauffer? Ouais. Allez petit coup de gaz, tu fais comme en. Comme sur piste, tu fais ça. Moi je dis ça sort 186 chevaux. Attends, je vais enlever un truc, regarde. On va gagner des vitesses. C'est quoi ça? Les poignées chauffantes. Ah. Il vient d'enlever les poignées chauffantes. La chaleur. Ouais, grave. Tu la sens, hein. Oh! Oh! Oh sa mère! PH de zère. Ah, ça c'est beau. Ah ouais, et de la courbe, là il y a un petit... Ouais, c'est normal. Après là, c'est parce que tu l'as en grand aussi, tu faisais en plus petit, parfois l'ondulation, mais... Donc là, ton premier shoot, t'étais à 186,8 ouais. Et l'autre 186,5, ouais. C'est sensiblement la même chose. Et 150 Nm de courbe. Ouais, c'est ça. Ah, c'est énorme. Passe à l'éthanol, hein. Putain, bien. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Ah, c'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, ma couille, en gros, il veut te montrer des flammes, Dave. Alors là. Donc là, c'est Flamland. Parce que l'H2R, c'est pas mal quand même. Ouais, bah alors, ça serait peut-être pas autant que l'H2R. Non, l'H2R, c'est spectaculaire parce que ça fait. Ça crame les gaz. Donc ça te fait un chalumeau à la fin. Mais par contre, chose rare, elle sort des étincelles un peu. Ouais. Sans rouler. Non, mais tu sais, tandis que l'H2R, elle fait pas des énormes flammes bleues. Ouais. Par contre, quand tu coupes les gaz, ça gaz, ça brûle. Ouais. Donc c'est stylé, tu vois. Mais du coup, j'attends de voir. Boom.
de moto neuf, à peine rodé. C'est propre. T'en penses quoi là? Oh putain. C'est bon. Ça fait des belles flammes. Surtout quand il arrive bien à la faire prendre, là, qu'elle fait ouais. Bah, paf. Alors. Là, on va passer à la M4 ou quoi? Allez. La couleur, elle déboîte. Hein. Ouais, bah, la couleur, elle donne plein de changements de teinte, tu vois. Si tu veux, on peut même te faire un focossier comme un sourire. Aïe, 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 aïe. Allez, ils sont inversés les sorties. Attends, hey, qui c'est qu'on s'est battu pour plusieurs fois? Ce qui sort le plus, c'est au milieu. Ah ouais? C'est bah oui. Il y a deux, et bah, tu vois, on se bataille. Hein. J'ai pris une soirée entière. On me dit, attends, c'est comme ça? Non, non, non. C'est l'autre. Non, c'est toujours, ça a toujours été comme ça. Tu prends une M3 92 d'origine, elle a les sorties du milieu qui ressortent un peu. Ouais, exact. Et donc, en fait, les sorties comme ça, quand t'en as une plus courte, c'est les deux du milieu qui ressortent et les deux autres qui s'enfoncent. Pour que ça fasse. C'est pour que ça aille dans l'arrondi du pare-choc. Bah ouais, mais c'est ça. Et l'autre, là, il a mis des sorties concaves. Un orgue. Ah, attends, juste avant. Ouais, Lulu, tu dis combien poupée, en chevaux et en couple? Ah, carto. Vas-y là, avec la carto. Je sais pas, je pense que ça doit sortir 500, ouais. 500 et ouais, en couple. Si c'est une carto qui a pas été faite au banc, en général, c'est difficile de sortir beaucoup plus. Ou alors, peut-être 500, elle sort 550. Hein. J'en 500, sais rien. Ça 500 chevaux, tu dis quoi? 500 chevaux, j'avais dit ça dès le départ. Moi, je dis moins, un peu moins. Tu dis quoi, Dave? J'avais 487. Oh, monsieur est précis, 487. Ouais, tu dis quoi toi? 530. 530, 530, 700 newtons. Là on voit le professionnel quand même. Là, je vais mettre des roues de motoculteur derrière, de la rouler dans les champs. Une voiture comme ça, j'ai envie de la trépaner moi. Toi tu donnes combien en stats? En chevaux et en coupe? Qui est-ce qui l'a réglé? Alors c'était une carto de type parking au champ, je pense. D'accord. Non, je déconne, mais c'est pas une carte au banc. Normalement, cet agent là, elle a pas de pièces? Elle a des pièces ou quoi? Des kata et la ligne. Ah ouais, stage 2. Des kata et la ligne. Stage 2 qui va bien à 5,50. 5,50. Ah, ça dit 5,50 là-bas. Stage 2 qui va bien. Stage 2 qui va bien. Moi j'ai dit 5,30. 550 et 600. 5,30 5,30, 700 NM. C'est un bon stage, hein, quoi. Ouais. 5,30, 500 NM, c'est ce que je me suis dit. Moi j'ai dit 550 et 600. Tu vas voir, ça va aller sortir. 600, toi? Non. Ah, tu penses? C'est quoi? Alors par contre, il a les pneus neige, ça change quelque chose ou quoi? Non. Non, non, ça va rien faire. Là-dessus, avec le banc rotron, on n'est pas embêté, ça patinera pas rien. Ok. Donc non, non, ça va aller. Faut juste voir. Pas du tout. On va juste regarder l'intérieur de vitesse quand même, voir pour pas dépasser. Oh, de toute façon, vous pouvez la foutre dans le mur, on connaît un bon carrossier. Ouais, c'est bon ça aussi. Moi j'ai hâte d'entendre les rapapaf à la décélération. Mais elle fait pas de flamme, hein? Non, non, y a pas de flamme. Sur la 4 voies, y a pas de flamme. Non, non, elle va faire ça. Tu veux faire des flammes? T'inquiète pas. Ah, tu sais faire des flammes? T'inquiète. C'est vrai? Elle va faire des flammes. Alors attends, ça nous. Attends, ça nous plaît. Tu nous fais des flammes. Si tu fais pas de flammes, tu nous payes le stage 3. Pas de flamme et stage 3 offert. Il nous a pas dit, il nous a dit qu'elle était prépa, mais est-ce que c'est une prépa fiable? Ah, ça tu peux casser le moteur, ça on verra. Bon, trêve de plaisanterie, on arrête de discuter. Ah, voilà. Bon bah... C'est le moment de casser, allez. Ouais. Je
des ratés dans les tours. Donc c'est qu'elle a pas de log, elle a pas eu de, il y a pas eu de données extraites de la voiture pour faire la carto. C'est une carto qui a été injectée comme ça. Alors il y a des voitures sur lesquelles ça passe bien, et là tu vois, il y en a aussi pas mal où ça passe pas bien. Donc là, c'est bon. Bah ouais, du coup elle sort 480 chevaux. Ah. Mais 480 chevaux, donc déjà c'est pas ouf, et en plus de ça, elle a plein de ratés dans les régimes. C'est pour ça que t'as vu, quand t'es monde, c'est ça, oui. Elle broute moitié quoi. C'est ça, parce que du coup, il n'y a pas les bonnes données, si tu veux, elles ne sont pas ajustées à la voiture. D'où l'intérêt de passer sur un banc de puissance avec des logs. Et de faire des vrais. Avec des sondes AFR, avec plein de choses qui vont te donner plein de statistiques sur lesquelles tu vas pouvoir t'adapter en faisant la cartographie. D'accord. Voilà, c'est ça la différence entre une carte au parking, entre guillemets. Et une vraie carte au banc avec des gens. Une vraie carte au banc, et c'est ça, c'est aussi pour ça que c'est plus cher. T'as beaucoup de gens qui disent, et moi le premier à l'époque, je me disais, ouais, 600 balles dans une carte, je trouvais ça cher. Bon, là, tu payes 590 euros, mais t'as un truc, c'est fait, c'est propre. Et t'es pas mécontent de payer 590 euros. Tu vois, c'est éviter de péter un moteur. Normal. Tu vois, il y a des moteurs qui cassent hein, avec des mauvaises cartos, donc vaut mieux réfléchir à deux fois plutôt que de mettre de moitié moins cher quoi. Ouais. Mais après, il y a des gens qui le font très bien. Hein. On n'est pas là pour critiquer, on s'en branle. Hein. Il y a des gens qui le font bien sans prendre de log. Hein, donc, puis il y a des gens qui passent pas au banc et qui prennent des logs aussi. Hein. Oui, bah il y a de la carte au parking entre guillemets qui ont des logs et qui sont très bien. Bon là pour le coup c'est pas une super carte. La courbe elle est pas belle et en plus de ça il y a des ratés dans les tours donc bon. Bon bah. C'est une merguez. Alors c'est pas forcément dû à la carte, hein. Ça peut être les bougies, les bougies bobines apparemment c'est récent, ça c'est récent ouais. Bon. Moi j'ai tout fait pour défendre les mecs qui font la carte au parking. Bah maintenant, écoute, maintenant c'est de la merde, j'y peux rien les gars. C'est honnête, 5000 c'est honnête, ce que je propose. 5000 la carte? Non, 5000 la voiture. Ah oui. Ah 5000. 5005. Lucien il a dit qu'il avait besoin d'un. Lucien il sort derrière son oreille les billets. Allez, regarde, 6000. Mais non, elle est jaune phénix à la base. De base elle est or ouais. Elle est jaune phénix, non alors là t'as pris la plus belle peinture qui existe et tu l'as changée. Bah il y a même les petites peintures en plus des céramiques. Parce que là la jaune phénix c'est quand même vraiment la plus belle peinture du monde. Attends c'est quand même un mec qui roule en H2R dans un champ et qui se permet de dire ça. C'est quand même fort. De dire quoi? Bah que tu... Non, mec, c'est un sacrilège quoi. Ouais. Tu dis c'est un sacrilège, tu roules en H2R. Non, c'est pas un sacrilège. Mais là, j'ai trouvé une Cosworth là pour aller dans les champs. Non, mais ça c'est trop dur, ça allait pas. Fou quoi. Tu vois, c'est pas comme si le mec il avait chargé comme un bœuf. Moi, attention, je crois que je lui ai dit hein, pour rester soft. Ouais. Parce que moi, je voulais pas du tout faire un truc de cochon. Bah, là, c'est soft, c'est pour ça que. Voilà. C'est ce que je disais, si la voiture est sortie 750 newtons et tout ça, tu dis bon, là, il y a peut-être. Parce que là, elle sort combien là? Là, elle a combien de chevaux? 494 chevaux, 652 newtons. Voilà. Et c'est pas énorme avec un carto quoi. Non, c'est pas fou quoi. Moi c'est vrai que j'avais visé les 500 chevaux. De toute façon je lui avais demandé, j'ai dit bah, je veux pas un truc soft, je voulais les 500 chevaux. Du moins il a respecté. Et là vas-y, ouvre les clapets. Ouvre les clapets dis-toi. Avant qu'elle explose sur le banc. Ils veulent des flammes, moi je vais en faire. Hein. Va dehors. T'as pas un peu d'essence? Moi j'ai pas regardé les différents. Y'a pas d'huile au sol. Y'a pas d'huile au sol, c'est une bonne nouvelle. Y'a pas de morceau de biel.
a affaire à deux merguez, oui, non. Non, pas du tout. Non, ça va. Non, pas du tout. Il y a des ajustements, je dirais, à faire sur la M4. Et puis la bécane, c'est pas dégueulasse du tout. Parce que est-ce que ça sort vraiment la puissance d'origine en étant d'origine déjà? Oui. Ça se trouve, elle a pris 20 chevaux quoi. T'en sais rien, ça se trouve, non, ça sort 160 d'origine. Je sais pas, je connais pas la moto. Bah là, ouais, il ouais, y a moyen parce que là, elle est à 186. 186 déjà, dans tous les cas, il y a un gain. Tu sais, quand on vend une admission, un échappement, etc., il y a l'information constructeur, mais ça veut jamais dire que c'est ça, que ça qui sort obligatoirement au banc. Donc en tout cas, elle a au moins la puissance d'origine et plus la ligne et la boîtier à craque qui lui apporte quelque chose, c'est déjà bien. C'est ça. Et dans tous les cas, de toute façon, la M4, qui sera à vendre bientôt, va être de nouveau mi-carto d'origine. Ouais. Donc du coup, tu t'en fous. Tout fou, m'en fous. Donc du coup, pas besoin de refaire une carto shift-take dessus. Non. Voilà. Et ben en tout cas, merci mon Lulu de nous avoir passé du temps avec nous pour ces deux bolides. Voilà. Et puis de toute façon, nous on se revoit très bientôt avec Lulu. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais il y a du lourd qui arrive. Allez. Sur ce, n'oubliez pas les gars de vous abonner. Ce que vous avez pensé de cette magnifique merguez à gauche et à droite. Il veut pas s'abonner. Tu peux dire aux gens abonnez-vous, mais ils veulent pas. Non, mais normalement ils le savent. Donc je vous fais des bisous les gars, à la prochaine sur ce.